j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne Kazeox Révélation, donc la première vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais les miniatures. Donc là dans ce cas là on va prendre la miniature que j'ai fait pour mes tout premiers épisodes de Farming Simulator 2015 sur Belgique Profonde. Donc on va juste voir comment utiliser quoi, un exemple pour pouvoir voir les miniatures que je fais moi. Alors attendez, je sais pas comment que je peux le mettre en fait, ce truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ouvrir une image qu'on veut utiliser pour pouvoir faire ces. Donc voilà, j'ai déjà fait des bannières, j'ai déjà fait des images, tout ça. Donc en fait, on va choisir une image de fond. Donc pour moi, dans mon cas, ce sera un screenshot. Voilà. Donc, ce sera un screenshot pour moi. Voilà, ensuite on fait CTRL plus. Alors c'était voilà, CTRL plus. Alors là vous pouvez voir que c'est pixelisé, mais vous inquiétez pas, au niveau du rendu ça sera amélioré et on ne le verra pas trop puisque sur Farming la miniature est beaucoup plus petite, donc on verra à peu près l'image et plus l'écriture. Donc là on va saisir l'outil texte, donc le T. Voilà. Et ensuite on va venir sur la... Alors là c'est un peu gros quand même. On va se mettre... Moi je me mets tout le temps en 40 ici là. Voilà. Et donc ici en police vous marquez H et vous prenez Obo STD. Enfin moi je prends ça. C'est une écriture assez sympa. Donc ensuite la couleur vous mettez la celle que vous voulez. Pour moi Kazeox Révélation c'est vert, donc on va mettre du vert. Voilà, ok. Et donc ici, alors ça c'est important en fait, c'est pour savoir si le texte sera en pont ou pas. Donc pour moi, mon cas, ça sera en arc. Et donc on va écrire, voilà. Voilà, et deux. Et ensuite, oups, excusez-moi. Et ensuite, voilà. Parce que mon micro, j'aurais du mal à la régler, voilà. Et donc ensuite ici on essaie de bien se mettre pour pouvoir marquer épisode 1. Donc moi le 1 je le fais avec le L, donc en L minuscule, là c'est 1, 2, donc pour faire 4 moi je vais faire ça. Voilà. Mais sinon donc épisode 1. Et donc ici on va tout de suite essayer voilà de régler. Donc ensuite on peut décaler le texte. On le place comme on veut, peut-être lancer un peu trop, ok, voilà. Donc moi, pour ma part, j'appuie sur la flèche. Ensuite, on va importer une image de soi ou une autre image, quelque chose comme ça. Donc moi, c'est une photo de moi avec le G27, donc c'est celle-là. Alors pour que les images s'importent, il faut que ça soit en PNG. Donc il y aura une deuxième vidéo pour savoir comment transformer les images en PNG sans trop faire de détours sur une surface plate. Ça veut dire qu'il faut vous prendre en photo. Par exemple le nom d'un mur, par exemple un mur blanc. Et donc après avec l'outil pinceau, l'outil peinture, on va le peindre et après on va le mettre en PNG. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler un petit peu pour moi. Donc là on peut faire ce qu'on veut, hein, l'image on peut la tourner, voilà. Et pour moi je la laisse comme elle est très bien. Voilà. Ensuite pour moi j'appuie sur la flèche, c'est une habitude et je fais importer. Donc voilà, donc l'image s'améliore un petit peu. Et voilà, donc après on peut la déplacer là avec ça, voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a fini ça, on fait fichier, enregistrer sous. Et donc on enregistre dans le fichier où c'est qu'on veut, hein. Moi c'est dans mon fichier Photoshop. Et donc on choisit le format. Alors pour YouTube en miniature, c'est JPEG. Et donc on enregistre, on fait enregistrer, vous voyez du coup. Donc là c'est pour choisir en fait la taille et la qualité, si je le mets là. Vous voyez, c'est vraiment très pixelisé, on voit plein de petits carrés. Que si on met là, hop, c'est bien. C'est pas trop pixelisé. Sachant que l'image est petite, on la verra pas trop. Voilà, donc l'image s'est enregistrée. Et donc on va aller dans les fichiers. Dans le fichier où c'est qu'on a été. Il est là, voilà. Donc là on a l'image, voilà. Donc ça sera à peu près la taille de la miniature, vous voyez que c'est pas trop pixelisé. Bon là l'incrustation c'est un peu mal faite, j'ai fait du détourage.
Et donc voilà, et donc après vous avez juste à la mettre sur YouTube, etc. Non. Eh bien les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Et on va tout casser.